Hey, salut à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme le Titanic, on se retrouve pour la Dégustabox. Alors autant vous dire que je suis grave en retard. Parce que la Dégustabox, j'ai laissé 15 jours à attendre au Mondial Relais tellement j'ai pas le temps d'aller la chercher. En gros, moi je vous dis un truc, j'attends pas mes colis, c'est mes colis qui m'attendent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la Dégustabox du mois de mars, du coup. Ouais, mois de mars, elle est arrivée fin mars. Donc là, en fait, apparemment, c'est la Dégustabox spéciale anniversaire. Bon, je l'ai déjà un petit peu ouverte parce qu'on voulait voir quand même ce qu'il y avait dedans. Parce que bon, voilà. Elle a même pris un paquet de trucs, je vous dirai quoi. Parce qu'elle aime bien. Elle fait 4,18 kg. Donc, comme vous le savez, je paye 15,95 € par mois. Et ce qui est bien dedans, comme vous savez, je pense que ça fait un moment qu'elle tourne. Vous avez des produits qui sont nouveaux dans les magasins et vous découvrez les produits. Et comme vous savez que nous, on a une grande passion pour les courses, et bah. Ça va avec quoi. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc déjà, hop, elle est comme ceci, elle est toujours bien emballée. Hop, comme ça. Donc c'est parti. Alors dedans on a déjà des réductions pour les Carcadélac, comme ça là. Oh non. Ah bah non, c'est pas des réductions ça. C'est de la pub en deux fois. Voilà, c'est deux fois petite pub, les mêmes. Hein. Ils ont dit, on a trop de papier, on va leur en mettre deux. On a eu 2020, une année spéciale pour Nesquik. C'est Nesquik. Ça fait 500 ans qu'ils nous accompagnent. Bah écoute, moi ça fait que 24 ans du coup. Et après, on a donc du coup, voilà, box anniversaire. Alors je vois qu'il y a du Caprice Sun. Bref, bon, cette box elle est faite pour moi quoi. Elle a vraiment été dessinée pour moi. Là, je suis pas du tout déçu. Donc je vous ouvre ça. Non, déjà, pour commencer, bah avec la pub, on a les gâteaux comme ça. Le carrément gonflé trio, ça on va kiffer avec ma copine parce qu'on aime trop les gâteaux comme ça. Surtout moi, j'aime bien les Cadillac Kids parce que je suis un vrai gosse. Il y en a 12 dedans et c'est nature et deux chocolats. Ok, d'accord. Ouais, ok, ouais. Regardez, en fait, c'est un trio. En fait, vous voyez, il y a chocolat au lait, chocolat blanc et chocolat noir. On va goûter, je vous donnerai des nouvelles. Dedans, on a ça, j'ai hâte d'essayer. Là, on a Power à la maison. Bien. Alors, il est content, je vous dis pas. Bref, on a eu des trucs qui s'appellent Zéro. Un moment délicieux, Zéro. C'est de l'eau aromatisée prête en 5 minutes. Il y a un pack multi goût. Il y a 6 sticks dedans pour 6 fois 50 centilitres de pur plaisir. Voilà, donc c'est comme ça. Ça, je vais essayer parce que, comme moi, je bois pas d'eau, parce que j'aime pas l'eau. Bah, j'aime pas l'eau. Je veux pas dire ça, mais c'est pas mon truc. J'aime les sodas, tout ça. Je me dis ça, bon, moi, ça fait boire de l'eau. Et dessus, il y a moins 30% avec le code promo BOX30 à partir de 10 € d'achat. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez sur zerofrance.com. Moi, je pense qu'en fait, c'est que sur Internet. Je sais pas si ça existe en magasin. Donc, c'est comme ça. Et dedans, c'est des petits sticks, comme ça. Comme des sticks à café, vous voyez. Donc là, on a goût ananas. Il y a goût ananas. Il y a goût pomme, fraise, thé pêche, cola et tropical. Bon, bah écoutez, j'ai serré. Hop, ça a l'air pas dégueu. Et là, on a un gros pot Nesquik. Je vais dire Nesquik tout le long, j'en fous. Nesquik All Natural. Bon, on en a déjà un complet qu'on n'a pas encore bu parce que moi, j'en bois vraiment de temps en temps, en 4 heures. On aime bien faire ça avec de la chantilly. Et donc, petit pot comme ça. Qui fait 400 grammes. Franchement, c'est un gros pot, hein. On dirait les pots de la Ricorée, là, vous savez, en métal. Non, franchement, c'est pas mal parce que c'est mieux que leur truc en plastique, peut-être. J'en sais rien. J'ai eu ça que je mangerais pas du tout. Moi, je suis pas avec des trucs bizarres comme ça. Oh. Lentilles-chips, quoi. Qui mange des lentilles-chips? Tu manges des lentilles-chips, toi? Moi, non. C'est des lentilles-chips avec des. C'est ce que c'est? Avec du fromage et des herbes. Sans gluten, pas frites. Et même elle est en train de dire ah. Alors ça c'est pas notre truc ça. Je pense que je vais donner à mon copain et encore. Bref, de la marque Snats. C'est Snacks. De la marque Snats. Méditerranée snacking. Bref, ça pas du tout pour nous. Ça c'est un peu plus pour nous. C'est des Grisby double chocolate. Ça a l'air trop bon, franchement. J'avais eu dans la Dégustabox la dernière fois, mais je vous ai pas fait la vidéo. J'avais eu des trucs comme ça au chocolat blanc, c'était trop bon aussi. Des genres de petites gaufrettes feuilletées, c'était trop délicieux. Et là, c'est riche en crème en centre. D'accord. Bon, on goûtera, il y a 150 grammes dedans. Hop, des petits gâteaux de Mathilde Vincenzi. Je sais pas d'où elle sort celle-là. On a eu une barre de chocolat. Bah, une barre de céréales plutôt. Amandes et cacahuètes sur lit généreux de chocolat au lait. Ça a l'air trop bon. Je sais qu'en commerce, c'est cher ce genre de bêtises. Mais ça, c'est trop bon. Il y aurait une petite pointe de sel dedans, ça aurait été top. Mais ça a l'air trop trop bon. C'est la marque Granny. Donc, ça, je vais la prendre pour le travail. Par contre, elle a l'air dur. Alors, ça, c'est dégueulasse. Alors, ça,
Oh là là, qu'est-ce que c'est pas bon. Bon, après, les gosses, ils doivent aimer, ou j'en sais rien, les gens doivent aimer, c'est normal, tu vois, sinon ils ne le vendraient pas. C'est la marque Vita Bio, c'est des Théo le cacao. C'est qui Théo? Bon. C'est du lait entier, chocolat. En fait, c'est une genre de. C'est même pas une danette, parce qu'une danette, c'est onctueux. Vous savez, les vieux flans, là, tout gélatineux, bizarre, ça se passe. C'est un truc, ça me dégoûte. Et en fait, on dirait ça, ça a le même goût, ça a la même texture. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je ferai goûter à la Miss. Elle va vomir, c'est pas grave. Dedans, on a un ketchup avec 50% de moins de sucre, de sel, de sucre et de sel. Alors nous, on mange pas de ketchup, donc je sais pas trop ce qu'on va en faire. On verra. Si on va le garder jusqu'à quand on ait des enfants. C'est jusqu'à quand? Jusqu'au 01/04/2022. Donc on a un an pour faire un petit. Donc voilà, du ketchup. Parce que sinon, voilà, on n'en fera rien. Parce qu'on ne mange pas de ketchup. On a eu des barres choco Candéré. Alors, j'ai l'impression que c'est leur nouveau truc. Parce que dans la dernière dégustation, on avait eu des M&M's. Un tout petit paquet. Mais vraiment un tout petit paquet. Ils faisaient la moitié de ça. Ils disaient que ça valait 1 euro et quelques en magasin. Non, mais c'est des ouf. Et c'était pas ouf non plus, quoi. Ça avait le goût des M&M's. Donc bon, là c'est des barres chocolat et amandes croustillantes, donc de la marque Canderel, comme ça. Franchement, il y en a trois dedans. Je sais pas comment ça se présente, parce que je suis un peu curieuse. D'accord, ok. Ah ouais, alors la grosse douille. En fait, ils te font un packaging comme ça et te le plient, on sait pas pourquoi. Et après, en fait, c'est des barres comme ça là. Ensuite, on a eu des petits sablés. Donc c'est ça, en fait, qu'elle a déjà bouffé un paquet. C'était bon? Apparemment, c'était grave bon. C'est des petits belins comme ça, petits sablés, chèvre et pavot. Moi je suis pas trop fan, ce truc là, moi je suis pas gâteau apéro, hein, je vous avoue. Je préfère manger tout ce qui est jambon cru, charcuterie, fromage, mais tout ce qui est crackers, tout ça, j'aime pas mon truc. Moi j'aime pas tout ce qui croustille, alors bon, je suis un peu chiant. Et du coup, on a eu 5 paquets. Là il y en a que 4 parce qu'il y en a un qui est dans l'estomac de madame. Donc ça, les petits belins. Et pour finir, ça je suis trop content. Bah, il y a un truc où je suis content et un truc où je suis pas content. Bah après bon c'est moi, c'est ma faute aussi, j'ai mis que je voulais avec alcool. Sauf qu'en fait j'en ai marre de recevoir des bières et des cidres parce que c'est tout ce que je bois pas en alcool. Je pourrais mettre une bouteille de vin ou je sais pas, une Smirnoff. Une Smirnoff par exemple, c'est 0, c'est 50, c'est 5% comme une bière, donc je pourrais mettre des Smirnoff. Bref. Là c'est de la bière au gingembre. Alors ça doit être pas bon du tout, mais je trouve la bouteille trop belle. Je pense que limite, je la mettrais dans ma cuisine, ça ferait une jolie photo, tu vois. Et si quelqu'un un jour passe par là, je lui donnerai. Il a jusqu'au 24-10. Ah bah, le jour de mon anniversaire pour se présenter, le monsieur qui voudra boire la bière. Parce que bon, ça, c'est dégueu. Et pour finir, bon bah ça, voilà. Moi qui avais arrêté en ce moment en plus, bah tant pis, je suis trop content. Ouais. Capri-Sol multivitamine, comme ça, il y en a deux. En plus, ceux-là, ils sont grave grands. Il y a 0... Ah non, c'est 333. Bah, il y a combien dans les... Ah, 25 millilitres, peut-être. Bref, en tout cas, ceux-là, ils sont grands. J'en avais déjà acheté. Ça coûte une blinde. Ça coûte 1 euro et quelques, les machins. Bah, je vais vous dire les prix, de toute façon, parce que je vous ai dit les prix de rien. Alors, pour les 0 comme ça, ça vaut 2... Super cher, ça vaut 2,79€. Zéro est un nouveau produit fun et innovant qui donne du goût à ton eau. Une préparation soluble aux arômes naturels, sans sucre, sans conservateur, sans colorant artificiel. Zéro transforme l'eau en une délicieuse boisson qui accompagne petit et grand tout au long de la journée. Jette-toi à l'eau. Ouh. Ensuite, dans les, pour les Capri Sun, ça ils disent que c'est 0,80€ la poche. Alors moi au magasin, j'ai pas vu ce prix là, mais bon. La famille Capri Sun s'agrandit, un nouveau format de poche plus grand s'invite dans la famille Capri Sun, 330 ml de boisson et un goût toujours aussi délicieux. Et son grand petit plus, un bouchon refermable. Ah, c'est vrai que c'est pas con ça, le bouchon refermable, mais c'est cher quand même. Après, pour les madeleines, comme ça là, les gonflées, c'est 2,69€. C'est que c'est un peu cher, même les madeleines déjà de leur base. La nouveauté ultra gourmande des goûters enfants, une texture carrément gonflée pour un moelleux incomparable et un parfum trio inédit en. Aux deux chocolats pour un goûter gourmand et ludique. Des ingrédients simples, des œufs, de la farine de blé français, sans huile de palme ni conservateur pour le bonheur des enfants et des grands. Nouveauté, le sachet de regroupement et recyclable. Ça, c'est ce qu'on avait remarqué dans mon retour de course. Pour la Granny, comme ça, ils disent rien. Donc, je pense que c'est... Ah si, Granny. Ils disent c'est 2,85€ le paquet de 4, paquet de 3, pardon. Découvrez Granny, envie de plus, de envie de nuts, la générosité des nuts. Nuts, c'est égal à fruits à coque, au cas où vous êtes débile. Ah, c'est marqué là, hein. C'est pas moi qui le dis. Découvrez Granny en vie de nuts. La généreuse des nuts, c'est la gourmandise de chocolat au lait dans une barre croquante et délicieuse, sans colorant ni conservateur, riche en fibres et avec du cacao issu de l'agriculture durable. Et découvrez aussi la variété amande noix de coco. Donc coco, ça ne va pas dégueu. Les chocolats comme ça, ça coûte... Ah bah, ah si, 1,99€, je vais pas vous lire tous les trucs non plus parce que je pense que ça va vous ennuyer fort. Le ketchup, 2€, pas cher le ketchup du Heinz.
La bière, 1,79€. Je trouve que ça va, c'est pas trop cher non plus. Le cacao, 4,50€, il se touche. Mais bon, apparemment, c'est du all natural, ce bio et tout le tintouin. Les compotes dégueu, là. Non, mais ça, en plus, les goûters au chocolat. La douceur du lait français associée à la gourmandise du chocolat dans une délicieuse course à déguster à tout moment de la journée. Les enfants vont adorer. Et vous aussi, les coups goûtés ont plus de 85% de lait français. C'est tellement pas bon. Ils disent une gourde par box, ça coûte 4,59€ les 4. Non, attends. Y a rien là-dedans, 85 grammes. C'est dégueulasse, en plus. Bref. Et les chips aux lentilles, c'est cher. 1,69€ pour ces bêtises. Y a 85 grammes aussi. Et pour les petits sablés, là... C'est le cadeau. C'est 5 paquets de 30 grammes par box. Donc voilà, c'est tout pour cette box. Bah, c'est tout. Moi, je suis content. Franchement, elle est quand même assez remplie. Je trouve elle assez généreuse. Si ça pourrait être leur anniversaire tous les mois, ça serait comme ça tous les mois. Mais malheureusement, le mois prochain, ça va être un peu plus pourri, je pense. Hein. La fête d'avant, je l'avais pas trop aimée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours. Vous savez bien que j'adore ça. Moi, en tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous. Je pense fort à vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.